Yo tout le monde, c'est Polo, aujourd'hui on se retrouve pour une... Allez hein. Je l'ai. Ça c'est parce que ça fait longtemps ça. Yo tout le monde, c'est Polo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au skatepark du MIP, Montpellier Indoor Skatepark. Avec Bastien Brunet derrière la caméra, arrobas Bastien-BRNT, avec Erwan Chabot qui est juste ici. Pour vous expliquer, on passe une petite semaine voilà, dans les roues, on va dire, et on fait plusieurs skateparks. Mettez le hashtag rien à foutre si vous en foutez. Donc si vous voulez des vidéos, mettez, on veut plein de vidéos, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la fête de fou. En plus de ces deux jeunes là, il y a deux jeunes qui se situent ici. Donc donnez vos Insta vite, ils vont s'afficher vite. Donc ce qu'on va faire les gars, le concept, c'est qu'on va faire des tricks, chacun à notre niveau bien sûr, parce qu'il y a des différences de niveau malgré tout. On va devoir les faire le plus clean possible, voilà. Et celui qui a le plus de points à la fin de la vidéo, on va dire, on va faire un système de points, vous allez comprendre au fil de la vidéo. Celui qui a le plus de points, il va se faire payer une canette par tout le monde, voilà. On va tous cotiser et on va payer la canette, t'as capté. Dans cette vidéo, on va opposer deux personnes, il y aura un seul try pour plaquer le trick, c'est-à-dire que si tu mets pas ton try, ben ça compte pas, donc tu perds le point directement. Et puis un point si tu plaques le trick, voilà, le plus joliment possible. Attends, putain, vas-y. En gros, vous gagnez, enfin, en gros, on gagne un point quand on plaque le trick plus joliment que la personne à qui on était opposé. Là, t'as compris. Le plus propre, tout simplement. Voilà, c'est celui qui est le plus propre qui gagne le point. Par contre, je me gratte les couilles en vidéo, c'est pas grave. Ok les gars, super important quand il y a des absences comme ça, vous avez vu, il y a eu une semaine, deux semaines, un mois sans vidéo. Ce que vous faites, vous allez follow nos Insta, voilà, on est archi actifs dessus, je crois tous les jours il y a des trucs, non? Ouais, tous les jours, ouais. C'est parti. Ok les gars, du coup là on va faire un noir ou blanc pour savoir. Allez hein. Donc du coup là on va faire un noir ou blanc pour savoir quel est le premier duel, on va dire. Noir ou blanc. Ou blanc. Si ils ont fait les trois comme ça, du coup c'est toi contre moi. Oh mais ça va. Bah si c'est ça, c'est ça, bah je vais me faire piner, salut. Ok, les gars, du coup c'est là c'est moi contre Bastien. Impose un truc Sébastien. En plus il vient d'apprendre mais il le met trois. C'est Butter Cup, il le met vraiment trop. Ah ouais, ok. Oh là là. Du coup Erwan, qu'est-ce que tu m'imposes? T'es chaud ou pas? Mais ouais, il m'a imposé whip bar whip pour gros. Mais si je le mets pas, ça c'est rejoué. Bah ouais, du coup ouais. Je mets le tricks, Bastien a perdu le point et je gagne le point. Vas-y, vite, vas-y. Le juge il s'est cassé mais du coup comme j'ai mis mon tricks, bah c'est moi qui gagne. Bah tu sais quoi, allez, tu l'as, il a appris hier aussi, enfin non il y a deux jours, donc tu mets un Oppo Bar Rewind en combo. C'est super facile. Ok, et moi je vais imposer un gros flair. Ouais. Gros flair miaou. Allez. Ok, lourd. Tu te clean. Ok, on a Erwan Chabot qui arrive. Ah, il a voulu faire le mec. Ah, bah ça va ton boule. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis naturel, bon, t'inquiète. Du coup, là, on va faire avec. On va faire moi contre Erwan. Respire, Pelo. C'est compliqué. Du coup, on va faire moi contre Erwan et Sean contre Bastien. Et après, toi, on te mettra parce que toi, t'étais pas là, petit con. Attends, du coup, toi, t'imposes à Erwan. Vas-y. Erwan, je vais t'imposer. Alors, est-ce que Erwan a mis Flair Quad aujourd'hui? Allez voir sur son Instagram, @Erwan-du-bas. Ok, alors là, Erwan, il vient d'annoncer qu'il allait mettre son Flair Quad. Donc, est-ce qu'il va le mettre en vidéo? S'il le met en vidéo, les gars, déjà, je veux 600 pouces bleus. Et je veux que tout le monde aille follow, @Erwan-du-bas. Chabot 2. Chabot, CH. Ah, bien eu des. Allez! Putain, mais t'es une merde! Bien sûr, je rigole. Hein. Si vous voulez le voir plaqué, allez sur Instagram, @Erwan Chabot. Erwan-du-bas Chabot. C'est quoi là? C'est. Aïe aïe aïe! Bah, du coup, on va imposer un autre trick à Erwan. Parce que c'était. Je pense que. Attends, attends le focus deux secondes parce que là, il me casse les boules. Je dirais un petit bridrop.
Ah ouais, c'est cool ça. Redrop, c'est pas. Et dis-toi qu'il faut que tu le mettes clean de ouf. Et du coup, pour Paul, on va imposer sur le step up un front flip. No compli front flip. No compli front flip. Belle analyse, mon petit. T'évites le mur et t'évites les Schmitt. Les Condé sont là, on leur tire dessus. Attends, je vais te la tenir, chérie. Ah, mon cousin, qu'est-ce que tu fais, mon cousin? R1, ton gros gland. T'es un gland. Bah, du coup, il a pas mis son trick, c'est moi, je dois faire un front. Du coup, là, les gars, Erwan Chabot, il vient de rater. Et là, je vais peut-être mettre mon deuxième point, les gars. Vous avez le seum ou pas? Le club des 1, et on est là. Ok, les gars, c'est bon, le front. Deux points pour ce jeune homme. Bon, du coup, les gars, là, c'est le duel Sean ici présent vs Bastien ici présent. Donc, on va faire très simple. Les deux sont bons en rota. Donc, je veux un flair sur l'envoi de la box, enfin de la step-up de la part de Sean. Et je veux un backflip sur le step-up de la part de Bastien. C'est parti, les gars, donnez tout. Les gars, s'il met son flair, allez tous follow son Instagram, @scootslg. Alors faut savoir qu'il en met, il en met vraiment pas souvent, donc là il en a mis un, il en était... Fait, je mets flair dans mes deux sens, et là... Ouais bah ça va, arrête de te la péter gros, tu sais, y'en a, ils ont pas besoin de mettre des flairs, tu sais. Allez. Oh putain. Alors attends, on va faire un petit replay des clips, parce que là c'est chaud à juger en vrai. Bah les gars, je vais donner mon point. On a Bastien qui a fait un super beau bac et lui qui a fait un super beau flair. Sauf que pour l'histoire, lui ça fait 6 mois qu'il en a pas fait. Ouais. Et toi ça fait 10 minutes. Donc c'est Sean qui a le point. Oh yes. Je suis à 2 points mec. Ouais, t'es à 2. Cool. Comme moi en fait, mais par contre faut que je t'arrête de donner des points. Là c'est les One vs les One. Shawan. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Shawan vs Erwan. Donc là ce qu'on va faire, c'est que c'est Sean qui va imposer un tricks à son cousin et un tricks à Erwan qui est aussi son cousin. Shawan, je vais lui imposer. Il vient d'apprendre ses bris. Ouais. Je propose de, c'est un peu un trick dur pour lui. Un bris propre. Pour Erwan, que pourrais-je imposer? China pour les mains. Un petit bris whip propre. Bon, on a décidé avec Sean que ça se déciderait en 4 points. Moi je pense 4 points et quelques tricks sur le banger. Voilà, et quelques petits tricks après. 2 minutes de banger, je pense. Voilà. Toi, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Oui. Is he ready, my nigga? Yo, top and clean. Ouh, y'a failli avoir le. On a Erwan Chabot, guerrier numéro 2. Es-tu prêt? Non. Voilà, oh là, trop. Dites en commentaire si vous voulez un scooter check, les gars. Oh, je suis désolé, en tant que juge, ça part sur. Depuis quand il est juge, lui? Apollo, ça arrive. Mais ouais. Fais le geste de là-bas. Ok, donc on va voir les clips, on va rechecker. Et pour pouvoir donner un vainqueur. Ok les gars, donc après visualisation de la VAR, on a vu que la réception de Erwan Chabot était un tout petit peu moins bien que celle de Shawan, mais déjà très très bien. Du coup c'est Shawan qui remporte le point pour cette manche là. Mais il y a 2 points et je pense qu'il va... Du coup les gars, là on va faire 8 contre moi, donc on a tous les deux 2 points, donc on va essayer de se départager sur ce point là. Donc c'est Shawan qui va imposer un truc. À Sean, je lui impose son petit... nouveau trick qu'il a appris il y a pas longtemps, donc whip bar courbe. C'est 10 par le coup. Du coup, ça a un tour, il va m'imposer. On t'impose quoi? Alors, pour monsieur Paul, on va imposer un 3-6 whip rewind rewind. C'est pas bon. Il s'en va, ça y est. Non, mais ça y est, gros, y'a rien. Et
C'est une victoire sans appel de Sean qui est à 3 points. Ouais, je suis là, vraiment, je veux la planète lui. Attendez. Vas-y, continue. Attends, tu fais quoi, mec? Gros, on entend des voix sur les enceintes. Il y a Erwan qui est en train de regarder une vidéo sur l'ordi du MIP. Mais gros. Allez, hein. Ok, donc là, c'est à Bastien contre Shawan, du coup. Shawan a un point et Bastien en a zéro. Bastien, je t'impose un whip rewind en fly. Je vais t'imposer un double whip transfert avec un beau transfert. C'est pas ça. Ouais, Shay, il peut parler bien sur la table. Il va bien votre collègue, hein. Get ton collègue. Ça va, mec? Non, mais tranquille, c'est pas. Ma mère va me tuer. Non, mais là, c'est la manche Erwan Chabot contre moi-même. Donc, pour Paul Moreau. Bolo sur la burnasque. Bah, tu vas me faire un bar kick sur le step-up. Bar kickless? Ouais. Et à Chaboubou. Ah, bah, back sur le step-up. Faut savoir qu'il l'a toujours pas mis, donc il y aura peut-être. Ouais, je veux pas influencer les résultats, mais moi, les canettes, j'en ai pas super besoin. Allez. Chacal! Ça va, je parle de ma mère comme ça, la tête de ma mère, je vais venir te voir. Il fait quoi lui? Les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un retry quand même parce qu'il a quand même tenté, c'est la première fois qu'il l'essaye. Donc les gars, on lui laisse un retry pour ce joli bac. Ta gueule. Vous avez vu ce qu'il a fait le mec? Il a cassé le pas. Il a cassé le pas, gros. Ah bah super. Pour le max, il a 12 ans, super, il fait trop le max. Super. Bah mon verdict c'est que c'est Paul malheureusement parce que Chaboubou il l'a pas plaqué. Mais il méritait vraiment. Bon, Erwan fait un petit try bonus histoire de faire plaisir à la vidéo. Son boule contre le sol en fait, c'est ça le... Non. Coup dur pour Erwan. C'est moi qui impose entre Paul et Sean. Je vais imposer pour Sean un bar rewind. Et Paul, je vais lui imposer kick, heel kick. Oh. Voilà, deux gros bangers pour finir la session. Ok les gars, vu que c'est des tricks quand même assez durs, on va se laisser plusieurs tries et on va juger à la fin qui c'est qui fait le plus beau, celui qui arrive pas à le mettre. Sean. First try. Last try pour Paul. Ah, j'ai paniqué sur la caméra. Mais lui, en fait, il était surtout pas censé mettre first try, ce petit bâtard. Bon bah du coup les gars, on va aller khalas la canette à Sean qui a 4 points. Et puis bah ça aurait été du beau jeu donc je te check. Donc, ok donc là on sort tous nos porte-monnaie pour donner les sous aux petits. Ok donc Sean, tiens on a réuni nos sous. Bah viens on va voir Bob et on va voir en direct. Ok, tu veux prendre Keshon. Ah il fait pas mal hein. Alors je prends un Liptonic s'il vous plaît. Ouais. Merci. Oh, il a dégusté. Je sais pas pourquoi, je sens pas. Oh, c'est ça de gagner. Ok les gars, donc cette vidéo est terminée. N'oubliez pas d'aller follow tous nos Insta quand il n'y a pas de vidéo. Voilà, c'est cool. Abonnez-vous, c'est super important. Allez follow @scootslg qui a gagné cette vidéo, c'est quand même cool. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Papa.